go to Washington's place I never have gone before. There's a... Ah, eh oui, plus facile de reculer quand on a une caméra de recul dans le dos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va installer aujourd'hui une caméra de recul, voilà. Donc ça fait environ 2 mois que je l'avais reçue, j'ai travaillé avec l'entreprise I Love You, vous savez que bah, ça fait déjà peut-être la 5e ou 6e caméra qui m'envoie. C'est des caméras qui sont filaires, vous avez votre caméra qui est ici. C'est pas des Wi-Fi, parce qu'on a une meilleure qualité vidéo et on n'a pas de latence. C'est ça qui est bien et on l'a découvert avec la caméra que j'avais justement offert au frangin, qui elle est en Wi-Fi et en 720p, alors que celle-là elle est en 1080p, et elle a un fil. Donc, c'est peut-être un petit peu plus fastidieux à installer parce qu'il y a un fil, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de latence et que vous allez vous retrouver avec une qualité vidéo de 1080p, ce qui est très, très intéressant. C'est celle qu'on avait sur Captain et franchement, elle était nickel. Il n'y a rien à dire. Superbe qualité d'image, même dans le noir, tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, on va voir, on va monter ça sur le camion. La petite particularité, c'est qu'elle va être forcément sur le tableau de bord. Et comme la cabine se lève, il va falloir que je fasse passer les fils au niveau de la charnière où la cabine se lève, pour pas que ça gêne en fait, tout simplement. Donc je pense qu'on va faire ça, on va passer le fil, je vais faire un petit trou pour passer la carrosserie, revenir en dessous, et ensuite je sais pas si je descends tout en bas de la caisse et je remonte, ou alors si je monte directement là-bas et je fais filer sur le toit et je mets la caméra en haut. Donc on va voir tout ça, on va passer une petite matinée, une petite après-midi à installer ça gentiment, tranquillement, en espérant qu'il pleuve pas, et on testera, voir si ça fonctionne bien. Nous avons l'écran, une petite caméra, 1080p, attention je souligne, petite casquette pour l'écran, fixation pour l'écran si vous le mettez en hauteur, et on a une fixation pour l'écran si vous le mettez sur le tableau de bord. Ensuite on a du fil, là j'ai 20 mètres, c'est pas très compliqué à monter. Là c'est si on veut la brancher sur un allume-cigare tout simplement, ça va de 10 à 32 volts, donc ça c'est ok, il n'y a pas de souci, ça fait 24 volts, et vous vous souvenez j'avais une alimentation, et je vais la brancher directement en 24 volts parce qu'en fait j'ai découvert que j'avais une cosse avec un moins, du 12 et du 24. Donc j'ai branché le poste sur le 12, sans convertisseur, ça c'est chouette, et je vais brancher la caméra sur la cosse 24. Comme ça, ça sera pris en direct et je pourrai l'allumer quand je veux. C'est pratique aussi de pouvoir l'allumer quand on veut parce que ça vous permet d'allumer votre caméra même si vous n'avez pas la clé dans le contact et que vous avez besoin de regarder derrière tout simplement. Et puis on a les petites pattes de fixation, les petites vis, tout ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve un emplacement. Alors ça donnerait ça. C'est jamais trop facile de trouver les emplacements. Il est monté, il est ici, vous voyez? Hop, regardez, ça c'est trop bien le trépied. Il est ici, il est monté. J'ai plus qu'à faire passer le câble dans le plastique et ensuite je vais faire tous les branchements. Une fois que les branchements sont faits, on va s'attaquer à du lourd, c'est-à-dire lever la cabine pour passer le fil et l'emmener jusqu'à derrière. Voilà. C'est quasiment branché. Je vais juste vérifier si ça fonctionne et ça je vous conseille hein, quand vous branchez des trucs, avant de tout bien revisser, tout ranger propre, vérifier si ça fonctionne quoi. Parce que sinon, il faut tout redémonter. C'est un petit peu ennuyeux. Je vais brancher la caméra. Voilà, là, la caméra est branchée. Ok. Je vais la mettre en direction de ma face. J'ai le moins qui est branché sur le moins. Et là, je vais brancher plus. Donc moi, je touche toujours comme ça un petit peu avant. Voilà. Je touche un petit peu. Si ça fait... Oh là, oh là, oh là, c'est que c'est pas bon. Et je me vois déjà dans la caméra. Oh, c'est génial, ça. Je vais vous démonter. Bougez pas, je vous démonte. Ah, coucou. Voilà, donc la qualité d'image est tout simplement impeccable en fait, il n'y a rien à dire. Et alors, voilà, après c'est vraiment... Ah, il y a du son aussi, c'est vrai. Voilà, après on verra dehors. Ah, alors ce modèle-là, comparé à Captain, si je dis pas de bêtises, j'ai une petite carte micro SD et je vais pouvoir faire des enregistrements. Mais à vérifier. Alors, donc, on se retrouve ici, ça y est, tout est installé à l'intérieur. Que là, je suis arrivé jusqu'à la moitié du camion. Je laisse toujours un petit peu de mou pour être sûr. Si jamais il y a besoin de tirer un peu, enfin voilà, je tends pas le câble, ça sert à rien. Bon, je me suis motivé, en fait, je vais passer le câble à l'intérieur dans le carré. J'ai un carré qui est gros comme ça, c'est le coin de mon camion, en fait. Donc, il y avait une petite plaque en dessous, je l'ai coupé avec le fil des lumières et j'ai fait tomber le fil des lumières. Donc maintenant, il faut que j'emmène un fil là-haut. J'ai fabriqué ça, un fil avec un petit boulon en bout pour faire un poids. Et je vais essayer de le faire redescendre jusqu'en bas. Ensuite, ce fil-là, je m'en sers de tire-câble. Et puis, je retire mes deux câbles, mes lumières plus la caméra en haut. Voilà. Dans la logique, c'est ça. Ah, génial, je vois le bout. Youhou,
nickel. Au final, ça m'aura pris une petite heure de plus parce qu'il a fallu enlever le fil, enlever la colle PU que j'avais mis dedans. Voilà, il y avait pas mal de petites bricoles à faire, mais ça va faire bien plus propre et bien plus sérieux. Ouais. Ça valait le coup de perdre un petit peu de temps pour faire ça. Voilà, ça y est, c'est installé. Alors, c'est branché en direct sur le 24 volts, pareil comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je peux l'allumer quand j'ai envie en fait, voilà, tout simplement. Alors, les petits points négatifs, la notice qui n'est pas en français, voilà, c'est pas bien grave, mais voilà, je tenais à le souligner quand même. Et aussi, c'est dommage que ça ne s'incline que comme ça. Vous voyez, vous avez beau, vous, voilà, il aurait fallu que la rotule puisse se pencher de l'autre côté, à droite ou à gauche, et voilà, ça c'est dommage. Ça c'est fait en fait pour être posé à plat, et ensuite quand il est à plat, vous pouvez l'incliner de droite à gauche. Mais s'il est comme moi sur un tableau de bord qui est légèrement incliné, eh ben vous n'avez pas la possibilité, vous voyez, voilà. Ça pour moi c'est un petit point négatif sur cette caméra. J'avais pas souci là avec Captain parce que justement il était mis à plat sur le tableau de bord et j'arrivais bien à l'incliner. Donc ce qui fait que on se retrouve avec la caméra qui est bien droite, mais ça va, j'arrive quand même à voir, mais j'aurais préféré avoir l'écran légèrement incliné vers moi. Donc je ne sais pas si vraiment c'est gênant, par la suite j'essaierai de trouver un système pour l'incliner. Les câbles, ils sont de bonne qualité, ça aurait été bien, le câble de 20 mètres, ça aurait été bien qu'il soit un peu plus blindé, on va dire, voilà, un peu plus costaud. Et mis à part ça, regardez l'image, c'est tout simplement nickel. On a un petit menu qui est bien fichu, que j'avais pas non plus sur Captain, et on peut faire pas mal de petits réglages. On peut aussi, voilà, on peut mettre la carte dedans. On peut rajouter des options, comme vous savez, les lignes pour faire les marches arrière, tout ça. Et surtout, on peut lancer un enregistrement. Je vais revenir en arrière, voilà. On peut lancer un enregistrement. Si on s'en va, on lance un enregistrement. Et quand vous revenez, tout est enregistré dans la carte micro SD. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça fait comme une petite caméra de surveillance. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une deuxième caméra. Donc ça peut être une solution aussi de surveillance, hein, franchement. Super content de cette caméra I Love You. Vous pouvez aller sur leur site ou vous allez sur le lien que je vais mettre dans la description si vous voulez trouver une caméra similaire à celle-ci. Les prix sont vraiment corrects, la livraison est rapide et surtout vous avez plusieurs modèles avec ou sans fil, en 720p, en 1080p. Vous avez les petites caméras qui se mettent aussi, vous savez, au niveau des plaques d'immatriculation, tout ça. Vous avez énormément de modèles, donc n'hésitez pas à aller visiter leur site. Moi, ça fait déjà quasiment un an et demi, deux ans que je travaille avec eux. Et j'en suis super satisfait, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ça y est, c'est monté. C'était un petit peu galère, mais au moins, c'est super pratique et c'est vraiment sécurisant. Vous voyez, là, on voit qu'il y a les enfants qui jouent derrière. Quand on a des gros véhicules comme ça, c'est pas indispensable, mais c'est un plus pour la sécurité. On ne peut pas tout voir, même si on n'a pas besoin d'une caméra pour reculer. Moi, je m'en sers très peu pour reculer. Mais par contre, voilà, c'est un angle mort qui est impressionnant. Et du coup, là maintenant, ce n'est plus un angle mort. Et c'est ça qui est bien. C'est vraiment intéressant. Ça peut vous éviter de rentrer dans un parterre. Ça peut vous éviter d'esquinter l'arrière de votre camion. Ça peut vous éviter d'écraser quelqu'un. C'est vraiment très, très, très intéressant, une caméra de recul. Et surtout en 1080p, regardez l'image. C'est tout simplement parfait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est parfait. Voilà. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !